Tous mes champs ne sont pas désherbés au Roundup. Il y en a oui, il y en a non. C'est une analyse à faire chaque année. Le champ vert clair que vous voyez tout au loin là-bas, ce sont des repousses d'orge. J'ai deux solutions pour les détruire. Soit je passe en mécanique et je vais devoir passer peut-être deux, trois fois, avec tout le temps que ça comporte et tout le pétrole. Soit je mets un passage de glyphosate. Ma dose légale où j'aurai le droit, c'est, je crois, dans les 3 litres. Là, je n'ai pas besoin de détruire ça instantanément. Je vais pouvoir mettre une dose très très faible. Dans de bonnes conditions, je pense qu'ici, je peux mettre 0,3 à 0,5 litres hectare. Fait dans de bonnes conditions. Ça va mettre beaucoup de temps à mourir, mais ça m'est complètement égal. L'avantage du glyphosate, c'est que je pourrais faire ça presque au dernier moment, juste avant d'implanter ma culture. Ça veut dire que j'aurais gardé toute la structure de mon sol et toutes les plantes en place. Ça veut dire qu'en ayant gardé les plantes en place, les animaux s'y mettent, les lapins, les perdreaux, etc., peuvent se réfugier sous le feuillage qui est là. Si je passe en mécanique, je détruis tout ça. Il n'y a plus de refuge pour les animaux. La deuxième chose, c'est que j'aurais laissé en place toute la structure d'aération. Vous pouvez voir ici des petites fissures. Voilà, ça permet à l'eau de s'écouler. Et tous ces petits trous, ces micro-trous qui sont faits par la vie du sol, quand il pleut, ça, l'eau peut couler directement par ces infiltrations-là. Si je retourne mon sol plusieurs fois, je fais que de la farine. Essayez de mettre une goutte d'eau sur de la farine. Vous ne verrez jamais la goutte d'eau s'enfoncer dans la farine. Mon sol, il est exactement pareil. Si j'en fais de la farine parce que je le travaille de trop, eh ben, il n'y aura plus de vie dedans. Et quand il y aura de l'eau qui va faire tomber dessus, ça va perler, mais ça ne descendra pas dans la terre.